Bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo, dont on va découvrir ensemble les bienfaits magiques de cette plante. Mais avant de commencer, veuillez rejoindre la communauté jardinage et plantes tout simplement en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, puis sur la cloche. Dans cette vidéo, on va parler de la réglisse, Glycyrrhiza glabra. La réglisse est une plante herbacée, vivace, à souche ligneuse. Il croît dans les fossés et prairies, ainsi que dans les terrains frais, dans le midi de la France, en Europe méridionale et en Asie occidentale. Glycyrrhiza vient du grec glycis, d'où Eriza, racine. La réglisse a reçu toutes sortes de noms. Bois doux, bois sucré, racine douce ou régalis. Ses pouvoirs magiques s'exercent dans les registres du désir, de l'amour, de la fidélité. Mâcher un bâton de réglisse est un excellent moyen d'éprouver de la passion ou d'arrêter de fumer. Et porter de la réglisse sur soi attire l'amour. Quant au bois de réglisse, elle est réputée pour les baguettes magiques. On utilise la racine et le rhizome récoltés à l'automne de la troisième année. La réglisse était connue des Grecs et des Romains, de Théophraste et de Sainte Hildegarde, qui l'employaient notamment pour éclaircir la voie. Mélangée à du chiendent, elle entrait dans la composition de la boisson dite hospitalière, qui se trouvait jadis sur une table de chevet dans tous les hôpitaux. On a démontré en 1950 son effet bénéfique sur l'estomac et l'utilise en cas d'ulcère et de gastrite. Il est aussi recommandé contre le rhume, la bronchite, les maux de gorge et possède des propriétés antispasmodiques, anti-inflammatoires, diurétiques, laxatives et édulcorantes. Les enfants aiment mâcher la racine car son goût est agréable et elle est douée de vertus rafraîchissantes. On s'en est servi pour sevrer les alcooliques et les tabagiques. Mais attention, la réglisse est dangereuse pour les hypertendus et on en voit arriver à l'hôpital des personnes accoutumées à mâcher de la réglisse à longueur de journée. Les chefs n'hésitent pas à l'incorporer dans des glaces ou des mousses. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces informations vous ont plu. Avant de partir, merci de cliquer sur j'aime et partager. Et à très bientôt.